Et bonjour à tous pour cette vidéo in extremis, j'ai fait la royalement la zapper. C'est parti pour la dernière étape au niveau épique du festival des défis numéro 1 aujourd'hui, en ce mois d'octobre 2022. L'équipe, vous voyez là, c'est mon équipe, on pourrait dire fétiche. Du coup, j'ai toujours utilisé à peu près ces 5 là. Une fois ou deux, j'ai enlevé Bolstead pour mettre Gardien Faucon à la place. Pour avoir de temps en temps d'un bon duo, on pourrait dire, voire même trio bien offensif. Mais ce mec que vous voyez là, à peu de choses près, c'est l'équipe que j'ai toujours eue. Et ma foi, elle a plutôt fait bien le taf. Hop. Hop. Le puzzle sans jaille, ça me fait du bien comme ça me fait du score à la fin. Donc moi, je suis preneur. Tac, tac. Du jaune, bah c'est parfait, j'en ai plein. Tac, tac. Hop, on profite d'avoir pas mal de jaune pour partir sur du jaune vers la fin. Comme ça, lors du boss, on va partir full jaune. Ça va être pas mal. Alors, tac, tac, tac. Comme ça t'as une défense baissée sur le jaune et là ça devrait lui faire mal. Si ça aurait pas autant loupé, ça lui aurait fait bien mal. Bon, c'est quand même pas si mal. Voilà, ensuite du violet et du bleu. Alors j'ai ni l'un ni l'autre pour le moment, ça m'arrange pas. On va essayer de rester en vie s'il vous plaît. Hop. Hop, 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 hop. Dites-moi qu'il est mort, celui de gauche. Oui, magnifique. Ça, c'est fait. Ok, alors on va se soigner. Voilà, pour le moment on tient tout juste. S'il pourrait ne pas réattaquer, ça serait cool. Là par contre ça va pas le faire. Oulala, laissez mon Bolta s'il vous plaît. Yes. Tac, 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 tac. Allez, on renvoie la sauce. Là, nickel. Bon, je pense pas que j'aurai un score glorieux, mais au moins. Ouais, non, pas du tout. Au moins, il est fini, mais je peux largement m'y faire. La petite récompense de fin, ça fait plaisir. Hop là. Voilà, l'étape 10, je peux largement m'y faire. Là, c'est, ça saute aux yeux. Je peux faire largement mieux par l'étape 8. Et l'étape 6, je peux largement mieux faire. L'étape 4, entre guillemets, elle compte pas parce que j'ai eu un coffre. Mais je peux largement mieux faire. Après, pour les 4 étoiles, une fois de plus, c'est très atypique que je sois aussi haut dans le classement. Bon, après, on est à peine, il reste encore 3 jours, donc je me fais pas de, je me fais d'idées. Là, pour le tournoi rare, quand je l'ai fini, j'étais dans les 1000 premiers. Là, je suis déjà, boum, 5000. Donc là, pareil, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, moi je sais que je suis dans les 50 000 larges. Donc c'est quand même déjà un bon petit début. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!